Dis-moi, Zinedine Zidane, quand tu ôtes ta peau d'âne, avec qui tu te sens le plus proche et sans reproche? Avec la France comme fille rebelle ou avec la France comme sœur jumelle d'Israël? En vérité, je connais ta réponse. Elle tient en un seul mot, résilience. Résilience. Mais avec l'affaire Benzema, ce mot, elle n'a plus aucun sens. Et tu n'as plus qu'une envie, renoncer au plus légendaire des silences pour donner la parole, cette fois-ci, à la résistance. Résilience, résistance. Résistance au dénigrement de l'homme par l'homme. Et il suffit que tu lui dises de ne pas se battre pour l'aider à les abattre. S'il te plaît, Zidane, ne le laisse pas crever. Ne laisse pas crever Benzema, fais-le encore rêver d'un monde sans lutte et sans but, ni adversité, ni balle à tirer, où l'on sait enfin à quel saint se vouer. Et dis-le-lui toi, s'il te plaît, que pour lui comme pour toi, il n'y a qu'un seul avocat que vos frères musulmans appellent Allah.